Eh bien malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours pas pu commencer les inscriptions car on, est sous, euh, on attend un arrêté préfectoral de l'île-et-Vilaine qui, sur les informations qu'on a mais qui ne sont pas officielles, qu'on aurait le droit seulement à se déplacer maximum 400 personnes uniquement en bus. Les gens qui voudront y aller en voiture sont interdits d'y aller. Les plaques normandes sont interdites et risquent d'arrestation. Si les gens y vont en voiture en partant d'un petit peu partout. Donc pour l'instant, on attend vraiment l'officialisation de l'arrêté. Mais bien sûr, les préfectures font exprès de les mettre le plus tard possible pour empêcher les supporters et les groupes de supporters d'organiser les déplacements. C'est un vrai problème. C'est un déplacement qu'on avec le Stade Malaire de Caen depuis le début de saison. Et c'est même pour le SM Caen, on ne peut rien valider, on ne peut rien préparer parce qu'on a aujourd'hui un dictat des, des préfectures. Là, il faut savoir, on a l'impression, là, je, je pousse un coup de gueule ce soir, que les préfets, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge, ce sont des petits seigneurs féodaux, on a l'impression qu'ils sont nos maîtres, qu'on est leur sujet. S'ils nous interdisent de nous déplacer, on n'a pas le choix, sinon on se fait interpeller. C'est inadmissible, on ne peut, peut pas aller voir simplement, tout simplement un match de football. Il y a zéro motif de nous interdire, n'importe quel supporter de Malherbe, il n'y a zéro motif de nous interdire d'y aller. Mais ils nous interdisent. Donc voilà, et il y a un moment on en a marre, voilà, on ne peut pas organiser. Malheureusement, c'est triste parce que... On est lundi soir, l'arrêté le, n'est toujours pas tombé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. On est en attente pour lancer les inscriptions et on se dit aussi malheureusement que si on a le, seulement le droit d'y aller à 400, alors samedi soir c'était la fête à, à Dornano, La borelli était extraordinaire au niveau ambiance, encouragement. C'est le déplacement de l'année pour nous tous. 1400, oui, il n'y a pas de problème à samedi soir avec des, avec trois victoires à domicile, limite 400 places, on les remplit la tribune et on va encourager nos joueurs comme il n'y a pas, comme on sait le faire à Rennes. Sauf que pour l'instant, bah, on peut pas.